on va manger chez Oli Diner. Ça a l'air sympa. Il y a trop de bruit. Alors c'est très sympa, mais c'est bondé, vraiment. J'ai pas eu le temps de me coiffer, je suis partie un petit peu à l'arrache ce matin, parce qu'il fallait que je monte le blog. Mais sinon, ouais, non, c'est un endroit qui est très sympa. Donc beau sapin, ouais, il est original. Et là-bas, on voit Zodio, et je viens de voir qu'il y avait également Maison du Monde, oh là là. Oh là là, cette salle de bain, magnifique. La présentation. Ouais, elle est jolie, c'est ça, ouais. Oh là là, c'est hyper original, ça. J'adore. C'est adorable. Oh, cette étagère, j'ai vraiment eu un coup de cœur. La bibliothèque, s'il vous plaît. Bon, on sort de... Il pleuvait, mais à fond, là, ça va, ça s'est un peu calmé. On n'a pas fait de folie, quand même, hein. Faut vraiment que je calme avec les coussins, mais là... Bon, définitivement, c'est mon magasin préféré. Regardez-moi ça, j'hallucine. Non, mais c'est juste magnifique, en fait. Ah ! Waouh ! Oh, l'étagère, non mais je me vois déjà avec cette étagère à la maison. Combien? Ouais, quand même, effectivement. Ce lustre. Allez, on rentre. Dernier petit stop quand même chez Mango. Je peux pas ne pas y aller. Je préfère vous montrer la maison plutôt. Bon, bah, je suis rentrée à l'instant. Vous avez vu mes cheveux? On s'est pris la flotte tout simplement. C'est crevant, mais c'est crevant les magasins à chaque fois. Je suis contente, j'ai trouvé des petits éléments, on va dire, de déco. Vous avez vu quand même la beauté chez Maison du Monde. C'était top. Et j'ai trouvé un pull. Alors le pull, je suis trop contente. Je l'adore. Je vais vous montrer tout ça de toute façon. Allez, on va dans mon bureau qui est bien rangé. Alors, bon, bah, je commence par Mango. Hein. Je vais pas l'essayer. Je le mettrai peut-être demain. Il est vraiment très joli. C'est un pull en V, en grosse laine. Il est un petit peu beige, marron. Très sympa. Combien? 39,99. Voilà. Donc il a une coupe très sympa, même en bas. Je vous le montrerai avec un jean, c'est canon. Un petit ras de cou, petit collier. Ensuite, donc chez Zodio, j'ai vraiment pas pris grand chose. Hein. Ce papier, parce que bah, il est juste beau, rose, rose pastel avec des petits points dorés. Voilà, ça va faire de très jolis cadeaux.
J'ai pris cette infusion qui était d'ailleurs en promo, 3 euros, sur eau, mais pas que. C'est. Qu'est-ce qu'il a? Bah vous. Qu'est-ce que t'as? Une deuxième infusion pomme-cannelle, forcément. Bah, pomme-cannelle, une association. Enfin, moi perso, j'aime bien. D'ailleurs, je vais m'en faire une juste après. Et comme vous l'aurez vu dans les images, ils ont tout un mur de cartes postales qui font très Instagrammable. J'ai pris ça. Rien n'est impossible. Yay! Celle-ci est très jolie aussi. Et celle-là. Voilà. Donc, pour Zodio, c'est tout. Vous voyez, hein, j'étais raisonnable. Et Maison du Monde. J'ai pris. C'est une. Il s'agit d'une petite suspension. Et nous avons une senteur qu'on doit mettre, je pense, sur la partie bois. Non, 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 non. Sur les petits éléments comme ça. Voilà. Je sais pas du tout à quoi c'est, par contre, la senteur. Fleur de lin. Je crois que ça sent bon, la fleur de lin. Voilà, donc je sais pas où je vais le mettre. Dessus dans mon bureau, je pense. Ensuite, je l'avais déjà vu. J'ai craqué, je l'ai prise. Vraiment pas pour mon sapin et vraiment pas pour Noël. Ce sera toute l'année parce que c'est juste magnifique. Je sais pas si vous vous souvenez, l'autre fois, je l'avais vu et je voulais la prendre. Et enfin, bah, ce petit personnage, mais il est pas trop mignon. Franchement, avec son écharpe, j'adore. Qu'est-ce que c'est beau. Et c'est vrai, ce matin, avant de partir, la factrice est passée. C'est la Birchbox de décembre. J'ai hâte parce que je pense que, bah, vu que c'est pour décembre, ça va être sympa. Je pense que je la tournerai demain. Et ouais, bah, j'ai décidé de me faire celle-ci, pomme cannelle. Avec peut-être un petit goûter parce que j'ai faim quand même là. Et ça sent super bon déjà la cannelle. Et pour grignoter, 3 pruneaux et puis une petite galette comme ça. Je pense pas que ce soit trop sucré. C'est hallucinant tout ce qu'ils font. De la même marque. Alors clairement, je viens d'ouvrir la Birchbox. Je suis bluffée. J'aime trop. Ah, ils ont fait fort, mais ils ont fait très fort. J'ai vu que deux choses, mais ouf. Franchement, j'ai hâte de la tourner. Je la tourne demain, mais sans faute, sûr. Allez, je descends. Il est quand même 7h30. Je vais faire à manger. Je suis toujours aussi fan. Hein. Tiens, je pourrais peut-être mettre une petite déco, là, de chez Maison du Monde. Ça peut être sympa. Ça y est, je suis calée. Comme on est lundi soir, bah, y a un nouvel épisode d'Outlander. J'ai hâte de voir parce que le dernier épisode que j'ai vu, mais trop de suspense en fait. Je vous la conseille si vous ne l'avez pas encore vue, elle est canon. Sinon quand même, concernant Maison du Monde, c'est juste hallucinant ce magasin. Mais de mieux en mieux je trouve. Je vais vous faire un gros bisou, je vais regarder ma petite série et je vais vous dire à demain pour de nouvelles aventures dans un nouveau vlog. Vous avez vu, à côté de mon beau sapin. Salut !